Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On s'était bien craché là. Donc on a notre hop là qui est là. Et voilà. Voilà. Donc. De retour dans les airs. J'ai voulu faire le malin l'autre fois et je suis tombé. Parce que qui fait le malin, bah, tombe dans le ravin. Ok, il faut que j'aille là. Okay. Ouais, j'ai voulu sauter sur cette tour. Alors attends, on va essayer de monter. Est-ce qu'on peut monter sur cette tour en fait? C'est ça le truc. Parce que j'ai glissé, chef. Et j'ai envie de réessayer. Voilà. 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 C'est tout. C'est tout ce que je voulais faire. Être en haut de ce truc, voir s'il n'y avait pas quelque chose. Bon, bah, je vous confirme, il n'y a rien. Ok, donc on doit avoir tout le village. C'est beau. Alors, elle est où, Seika? Elle est par là. Peut-être elle est en haut, là, non? Elle a dit qu'elle allait parler au chef. Alors, une barbare pénètre dans le campement avec Seika. Et vous nous promettez de retrouver nos disparus. Au vu de notre situation, je n'ai d'autre choix que d'accepter. Mais je n'ai pas de confier notre destin à une étrangère. Qui es-tu? D'où est-ce que tu viens? Je m'appelle Aloy. Quant à mon histoire, c'est si important. Si je peux aider. Tout dépend du prix, je suppose. Seika est surveillée de près, par conformité. Et en la laissant s'en aller avec une étrangère, je lui ai peut-être fourni la corde pour se faire pendre. Personnellement, je crois qu'elle peut se débrouiller, mais... je ferai de mon mieux pour la protéger. Très bien. Dans ce cas, y a-t-il quelque chose que tu dois savoir? Il a l'air d'avoir un lien avec... de l'estime pour Seika. C'est une marine exemplaire. Opiniâtre, altruiste, ingénieuse. Un naufrage est comme une guerre d'usure. Tout le monde finit par s'épuiser, mais pas elle. Pas encore. Je me repose de plus en plus sur elle. Elle est notre meilleur espoir de retrouver les disparus. J'en suis certain. Tu parles d'une situation désespérée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons traversé le Grand Océan. C'était la mission la plus importante de la tribu depuis un siècle. Ce devait être mon chant du cygne. Ce sera surtout mon épitaphe. Nous avons croisé un typhon qui a séparé la flotte en deux. J'ignore où est passée l'autre moitié. Éparpillée, naufragée... Bah ouais, je sais, moi. Je sais pas, il y a toujours de l'espoir. Bah... après le naufrage, j'ai envoyé des navires afin d'explorer la côte. Tous disparus. Et je n'ai ni les effectifs, ni le matériel pour lancer des recherches. J'ai perdu la moitié de ma flotte, puis la moitié des survivants, alors... ne viens pas me parler d'espoir. Et pourtant... Seika a trouvé un indice sur ce focus. Tu raisonnes comme elle. Tu n'abandonnes pas. Conformité semble avoir beaucoup de pouvoir par ici. Les responsables conformité sont les antennes de la maison impériale. Il est de leur devoir de s'assurer que la sagesse de nos ancêtres ne tombe pas entre des mains ennemies. C'est pourquoi ils traquent les infidèles et les rebelles. Inspection, interrogatoire, la sécurité passe avant tout.
Ce que je vois, c'est un homme qui sème l'agitation dans ton campement. Être apprécié n'est pas un objectif de conformité. Si jamais nous rentrons un jour chez nous, Reng rédigera un rapport pour ses supérieurs. Ça lui donne beaucoup d'influence. Je ne peux que prier pour qu'il s'en serve pour le bien de tous. Je vais aider Seika à ramener ton équipage. S'ils sont encore en vie, protège-la si tu peux. Ok, donc elle est où? Elle est par là? Ah bah oui. Il est temps de partir. Coucou. Très bien, alors. On se met en route pour la montée de la lune? Ouais, allons-y. Et maintenant? Aie confiance. Grimpe. Un problème? Non, pas du tout. Quand même. Non, c'est un peu étroit. Ça ira bien. Oh non! Accroche-toi bien. Ok. Alors, on est censé aller où? La montée de la lune est sur la rive d'en face. On ne va pas tarder à savoir si cet ancêtre vivant est impliqué dans la disparition des miens. Une fois qu'on sera aux ruines, on trouvera peut-être des données que ton modèle de focus ne pourra pas lire. Je vais t'envoyer une mise à jour pour que tu puisses voir ce qui se passe. Ah, merci. Tu as l'air à l'aise avec ton focus. C'est pour ça que ta tribu t'a banni? Pas tout à fait. Ils m'ont... banni à ma naissance. Ah oui. Tout ce que j'ai fait, y compris apprendre à me servir d'un focus, je l'ai fait contre leur volonté. Je connais ça. On finit par s'y faire. À quoi? À voler à dos d'ailes des lions? Oui, aussi. Bon, contente-toi de diriger cette chose, d'accord? D'accord. C'est con parce que je connais pas Los Angeles, donc je sais pas à quoi ça peut correspondre ce... Sur la plage, ces navires sont ceux de nos éclaireurs. Et on dirait qu'il y a pas mal de bâtiments sur la colline. C'est ce que le devin Vaille a vu. Essayons de suivre ces traces alors. Je vais nous poser. Ah, faut que je descende. Ok. La terre ferme. Louée soient les ancêtres. Tes amis n'ont pas débarqué ici par hasard. Je crois qu'on devrait essayer de suivre leurs traces. On dirait qu'ils ont laissé de l'équipement derrière eux. Je veux pas être du mauvais côté de ce truc. Ce sont des armes de la Marine Quen. Ils ont dû les apporter ici dans un but précis. Ah, je sais pas. Je crois que je peux grimper maintenant. Hein? Ok. Ok.
Ok. Alors. La baliste a transpercé le blindage de cette machine sans problème. Ces carreaux ont l'air plutôt solides aussi. Les miens ont dû combattre pendant qu'ils construisaient ça. Mais ils ont continué. On devrait suivre leur piste. Pas chômé pour creuser ça. Mais dans quel but? Londra a sûrement un rapport avec tout ça. Plus vite on sera là-haut, plus vite on saura. Yes. On va devoir trouver un moyen de monter. Une autre baliste. Oui, bah t'as compris. On va juste check où est-ce qu'on est bloqué. Et on va y mettre des trucs, quoi. Tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais juste check où est-ce que ça me bloque. Bonne idée. Il va nous falloir plus de prise. Ok, vu. Ça marche. Alors, on peut utiliser les carreaux pour grimper. Bonne idée! Ça suffira, je vais aller jeter un coup d'œil là-haut. Elle grimpe vite. Je devrais la rattraper. Ok, je croyais qu'il fallait j'attendre. J'étais au calme. Il y a une porte là-haut, de l'autre côté du fossé. Voyons si on peut monter. On peut pas monter ici. Les grimpeurs nous en ont empêchés. Attends! J'ai une idée! T'as une idée? Qu'est-ce que tu fais? On peut créer un autre chemin avec cette baliste! C'est à moi de le faire ou tu vas le faire? Parce que là, comme tu le dis, c'est à moi de le faire, c'est ça? Elle est où elle? Qu'est-ce qui se passe là? Ah ok. Ça n'ira pas plus haut. Ok, bah... Okay. On fait des progrès. Ouais. Je crois qu'on est sur la bonne voie. Oh, putain! Mais quoi? Mais quoi? Pourquoi elle se tourne? Toujours autant de problèmes dans l'escalade.
possible pour entrer là-dedans. On dirait qu'il cherchait quelque chose. Jusqu'ici, tout était abandonné. Tu crois qu'on trouvera quelqu'un ici? On va trouver ta sœur. Je te le promets. J'ai pas besoin de réconfort, tu sais. Je vais bien. Je veux aider. Allez, c'est reparti pour les données là. Des grimpeurs. Fais attention. Allons-y. Aucune machine ne m'arrêtera. Clairement l'ancien quartier général de l'Ombra. Qu'est-ce que c'est que ça? Un peu. Ça n'a vraiment pas dû être facile à extraire. C'est un prototype de moteur de fusée. Il n'a jamais quitté le sol. Sa conception rendait tout décollage trop dangereux. Mmh. À quel point ? Au point qu'il aurait empoisonné tout ce qui l'entourait s'il avait été utilisé. Oh. Continue. Alors ce moteur, il devait servir à aller dans les étoiles ? J'ai entendu les devins dire que nos ancêtres pouvaient faire ça. Ouais. L'Ombra a envoyé des vaisseaux dans l'espace pour y chercher des ressources. D'accord, mais pourquoi les déterrer maintenant? On devrait continuer de suivre la piste. D'accord. J'ai la manette qui vibre, je sais pas pourquoi. La manette vibre vraiment fort. Commence à faire chaud. Waouh. Les ruines sont séparées en deux. Mais les Quen ont continué. Ok, vu. Baliste. Oh non. Broyé. On dirait une sorte d'accident de chantier. C'était Lina de la coquerie. On n'était pas vraiment amis, mais elle ne méritait pas d'être tuée. Comment un ancêtre vivant a pu faire ça à mon peuple? Connaissant Londra et ses petits copains, ça me surprend pas tellement. Il faut qu'on trouve un moyen de monter et de traverser. On doit créer un passage.
Une autre baliste. On peut peut-être s'en servir. C'est moi qui tire. À toi l'honneur. Je t'ai mis une prise dans le pont là-bas. Essaie d'atteindre la baliste en haut. Tu peux sauter jusque-là? Je peux l'atteindre. Mais c'est fou ça. Mais putain, mais quoi? J'en ai eu un. Merde, je suis tombé. Moi. T'as gagné, j'imagine. Oh, t'as pas envie. Voilà, c'est fait. Et donc? Et moi, je fais quoi là? Ah oui. Ça en fait de la lave. La ruine est presque devenue un volcan. Ah ! Mais... fallait peut-être pas que je revienne, en fait. Si ? Ah, non ! En fait, non. Ok. Elle a pas sauté. Bah elle meurt hein. Putain elle a pas sauté. Mais non. Elle a pas sauté. Oh non. Ah je suis deg. Ok c'est bon. Ok. Ah putain. Tu sais, ça me rappelle nos entraînements au tir en haute mer. Eh ben attendez. Qui toucherait le plus de cibles? Ah ouais. Le gagnant n'est pas à la maison. T'as gagné, j'imagine. Oh, t'as pris. Voilà, c'est fait. Ok. Je suis trop con, putain, pourquoi je l'ai rejoint? C'est n'importe quoi. J'ai trouvé la baliste. Il est temps de lui rendre l'appareil. Ouvre une voie dans la falaise. Pas la peine de hurler. Tu t'es connecté à mon focus. Wow. Salut. Surprise. Bon, je dois grimper là-haut. Attention, d'autres grimpeurs. Je les vois. À moi de détruire les machines. Oh, tu penses pouvoir faire mieux que moi?
suffit d'ici. Attends. On a bien eu. Charge. C'est-à-dire ? Ah oui. Je monte. Et moi, je fais quoi, moi ? Ça devrait être bon. Il faut juste que je trouve comment passer. Bah, moi, je pensais m'envoyer un truc genre ici, tu vois ? Non. C'est nul. Escalader le gouffre. Comment ça, escalader le gouffre? Oh, c'est quoi ça? Comment ça, escalader le gouffre? Ça passe pas là, moi, si je saute là. Déjà, ah si. Tu vas y arriver ? Regarde. Ouais. Hop. Moi, je ramasse tout. Let's go. C'est pas par ici. Ah putain. Oh, ouvre les yeux. Et un gouffre rempli de lave de franchi. Tu t'es pas mal débrouillé tout à l'heure. On fait une bonne équipe. Ça me fait plaisir. J'ai toujours voulu un bras droit. C'est magnifique. Ah, alors c'est comme ça. Après toi. Alors on peut pas ouvrir les portes sans son bras droit. Pourquoi tu crois que je t'ai emmené? Ok, je vais faire ma transition. Bon, voyons où nous mène la trace. Darial. Merde, ah oh, putain, il a... Il va falloir que j'utilise plus les pièges. Hein. Putain, j'ai bu la potion quelconque. C'est de là combien? Ok. Tout est si ancien ici. Que pouvait-il bien chercher en ce lieu? Très bonne question. C'est un amphi.
Hop, 4 sur 20 déjà. 4 sur 20, il est peut-être pas si long que ça, le... Ah, mais il y en a d'autres. Pour l'instant, j'ai aucune idée de combien il y a de quêtes, combien de temps ça dure. Qu'il s'appelait Kita. Ils ont même pas pu l'enterrer correctement. Ah oui, tu me gênes un peu quand même. Ah ouais, ça va vraiment falloir qu'on voit ça hein, parce que c'est nouveau je crois, hein. Il n'y avait pas ça. Hein, force quoi? Je l'avais même pas vu. J'en ferai bon usage. Belle trouvaille. Un marteau céleste? C'est quoi ça? Un campement Quinn. Abandonné. Mais où ils sont tous passés? Ah, vu. Putain, on régale, hein. Porte blindée. Espace. J'ai vu, ils ont été par là, j'ai vu. Une fresque. C'est de l'Arkwen? Oui. Je crois que oui. Pourquoi il laisserait ça ici? Aucune importance. Continuons. Si tu le dis. Je crois que c'est le centre de contrôle de Londra. Impressionnant. Ouais. Voyons ce qu'on peut trouver. Mais quoi? C'est verrouillé avec un code. On va devoir trouver une autre entrée. Il y a peut-être quelque chose sur ces consoles. Un code sur les consoles. C'est quoi ça? Accéder à l'hologramme d'ici. Il y a des données ici. Voyons à quoi je peux accéder. La plupart sont corrompus, mais certains journaux sont saufs. Je peux peut-être les lancer. J'ai trouvé Evelyn dans la salle des commandes, en train de fouiller les journaux à la recherche du code de l'ombre. J'ignore comment elle a pu échapper à la sécurité, mais... Elle n'a pas l'air en forme. Elle n'arrêtait pas de frapper à la porte de l'ombre, le suppliant de la sauver. Je lui ai dit qu'il était parti, mais
Elle continuait de pleurer. Ils ont dû la sortir de force. C'était le dernier enregistrement. Tout le reste date d'avant 2065. Combien de journaux t'as trouvé? 3. Non, 4. On dirait que cette Evelyne pensait que le code était caché dans les données. Essayons de le trouver. D'accord. On dirait que ça a débloqué une autre console. Peut-être sur l'autre console. Cet affichage retrace les différentes missions de Londra sur des astéroïdes au fil des années. Et j'ai l'impression que je peux les parcourir avec mon focus, ce qui veut dire que je suis pas enchaînée à la console. Bon, je lance le premier journal. Je l'envoie aussi sur ton focus pour référence. 2050. Une année de triomphe. Cette première mission a fait taire des milliers de sceptiques. Lorsque nous avons acquis cet astéroïde, ils ont retenu leur souffle. Lorsque nous sommes rentrés avec la richesse des planètes, ils sont venus en rampant, en tendant la main. Ce vol restera à jamais dans mon cœur. Et dans l'histoire. C'est l'année dont parlait le journal. Mais il y a 3 nombres. Lequel est le code? Il a parlé du vol. Il avait une importance particulière pour lui. C'est sûrement le numéro du vol. Ouais. Ça pourrait être la première partie du code. C'est un bon début. Dis-moi quand tu seras prête à entendre le suivant. Bon, écoutons le suivant. D'accord, je le lance. J'ai convaincu le conseil et la quantité de platine de ce caillou vaut bien les risques. Une fois qu'on l'aura, je ferai une bague en platine à Evelyne. Pour qu'elle porte notre succès partout où elle ira. Quel type en or? Il n'y a pas d'année, juste une mention de platine. Ce serait 4000 le code? Je vais essayer 4000. Quantité de platine, c'est 4000. Il doit y avoir du platine sur l'un de ces astéroïdes. Oui, scanne jusqu'à ce qu'on le trouve. Du platine sur un des astéroïdes. Qu'est-ce qu'elle m'a raconté là? Platine sur un astéroïde, qu'est-ce que... Oh, je comprends rien à l'énigme. Attends, mais... Pas de données ici. Comment elle sait ?
2052 ? Mais je sais pas. Eh, je comprends pas l'énigme. Histoire du platine. Attends. Pourquoi il a scanné là? Ah, c'est Seika qui a scanné, d'accord. Putain, je comprends rien. C'est horrible. Tu fais quoi là? Walter. J'ai convaincu le conseil et la quantité de platine de ce caillou vaut bien les risques. Une fois qu'on l'aura, je... Ouais. Du platine, ça doit être la bonne mission. Mais quel est le chiffre? Je ne sais pas. Je vais rejouer les données. J'ai convaincu le conseil et la quantité de platine de ce caillou vaut bien les risques. Une fois qu'on l'aura, je ferai une bague en platine à Evelyne. Pour qu'elle porte notre succès partout. 2 millions quoi. Cette fois, c'est pas le numéro de vol. Le journal faisait mention de la quantité de platine. Est-ce que tu trouves ? Je crois. Dis-moi quand tu seras prête pour le troisième. Fini. Très bien, le voilà. L'accident a perturbé les fourmis. Les avocats et les publicitaires affluent pour limiter les dégâts. Ils se plaignent de pertes inestimables. Ce qu'ils ne voient pas... C'est que chaque mort est une leçon sur l'excès de confiance qui nous aidera à atteindre l'excellence. Ils ne les considèrent pas comme des personnes, on dirait. Corrompu. On passe au suivant. Pas de données. Tonnes. On ne mentionne pas d'années ni de métal. On cherche un accident qui implique des mineurs. 8 personnes ont perdu la vie et Landra a balayé ça d'un revers de main. Je vais te laisser choisir les chiffres toi-même. C'est le troisième chiffre. Il n'en manque plus qu'un. On en sera sûr que quand on aura tout saisi. Prête pour le prochain? Ah 8, 6. Ah ouais, mais attends, mais je les ai plus les autres. Attends, mais... Quoi? Allons-y. C'est parti. Mon principal concurrent a essayé de me bloquer au congrès. 3. Mais j'aurai ce cobalt. 4000 tonnes. Tout le temps que ça me prendra pour l'extraire. Xiaolu Luna Resources peut rester sur la Lune. Tout le reste m'appartient. Bon, je crois que je sais quoi chercher. D'accord. Une seconde. Voilà. J'ai envoyé le dernier journal sur ton focus. Merci. Dès que j'aurai trouvé le dernier chiffre, je saisirai le code complet là-haut. Là, il y a un 6. Il
Là, il y a un 2. On dirait que cette mission parle de Xiaolu Lunar Resources. Xiaolu et Cobalt. 6, 2, 5. C'est pas ça. 6. Putain, je comprends rien. Trois ans. Oh, il y a tellement de chiffres de partout. Pas de données ici. Le quatrième journal mentionnait à la fois le Cobalt et Xiaolu Lunar Resources. Il nous faut un journal de mission avec les deux. Ouais. Quoi? Je comprends rien. Elles ont compris quelque chose, elles? C'est une dinguerie. Vol 3, 4000 tonnes. Vol 4, 7 milliards de dollars. Vol 7. Lithium. Vol 8. 2 millions de tonnes de platine. Sept mille tonnes d'iridium. À 5 ans pour déployer tout ce cobalt. Embaucher des avocats de 6 cabinets. Corrompu. 4000 tonnes de ruthénium. Je comprends rien à ce qu'il faut faire. J'ai pas... Ça percute pas là. Y'a rien là. Bon, j'ai rien compris. Je comprends pas du tout. Mais alors, j'ai pas... Ça vient par là. Waouh. Je sais pas. Oh, qu'est-ce qu'elle en pense, là? Parce que moi, je ça vient pas, hein. Elle me parle pas? Mais quoi? Ouah, je l'ai pas. Je l'ai pas. Oh, je l'ai pas. Mon principal concurrent a essayé de me bloquer au congrès. Mais j'aurai ce cobalt.
Harry Saucis peut rester sur la Lune. Tout le reste m'appartient. Oh la vache, je l'ai pas. Ah mais ça percute pas du tout là. Ah putain, c'est chiant. Quand t'es pas dedans là, tu... C'est chiant. Quand tu l'as pas, c'est chiant. Oh non, mais attends, mais... Il y a un code là-dedans, là ? Attends. Je l'ai pas. Ça veut pas venir. J'ai même pas vu le début d'une piste ou quoi, en fait. C'est horrible. Je comprends même pas où est l'énigme, en fait. C'est un enfer. Et elle reste là à... Je sais pas. Waouh, ok. Ok. Il n'y a aucune cohérence dans les chiffres. Il y a plein de chiffres dans toutes les années. Là, c'est 7 milliards de dollars. Il y a des chiffres à tous les trucs, en fait. Ah, attends. Par contre, il n'y a que 3 jaunes, c'est ça ? Je peux pas lire les autres. Il y a 4 jaunes. Il y a 4 jaunes. Ça voudrait dire quoi? 3. Si je prends les chiffres des trucs. 3, 8. Il est où? 3, 8, 9. Et jaune. 3, 8, 9, 3. Ben non, il y a 4. Attends, mais. Mais quoi? C'est 5 le dernier. 56. C'est 3. 8. 3, 5. 3, 8, 3, 5. Ce serait ça le délire. Oh, je sais rien. Peut-être voir le deuxième journal. Quoi ? Premier chiffre. Attends. Premier chiffre. Astéroïde Ophélia. Ça commencerait par un 4? Attends. Deux millions. 8? 5? Attends, ce serait ça, hein? Allez, Mola, pourquoi 4000? Ce serait quoi? 4, 2, 8, 5? Moi, je sais pas. Oh,
C'est horrible. Non. Les chiffres semblent faux. Ah. Donc j'ai... Ah, j'ai bon la fin. Donc 4... Alors j'avais dit 4, 2, 8, 5. Donc c'est le premier qui manque. Et redonne-moi le... Alors attends, 4, 2, 8, 5. J'ai essayé 4, 2, 8, 5. On va faire ça. 4. Alors 2, 8, 5. Je devrais vérifier mes notes. Ok, vas-y, fais-les. 1, 2, 8. Ah merde. 8. Ah 8. On devrait 5. Peut-être voir les journaux. 2, 2, 8, 5. Ah, ça n'a pas marché. 3, j'ai déjà essayé ça. 2, merde. 8. Wow. 5. T'as réussi ? Je sais pas pourquoi. Voilà. Ça doit être le lieu de vie de Londra. Au beau milieu de son espace de travail. Voyons ce qu'on peut trouver. Cette relique, c'est une sorte d'arme ? Qu'est-ce que tu veux, toi ? Un cadeau d'un prétendu ami, il nous rappelle de toujours surveiller nos arrières. Je me demande ce que c'est. À quoi ça sert ? C'est une sorte de récompense, je crois. La femme de Londra était assez connue à l'époque. C'est bizarre qu'il l'ait gardée. On dirait qu'il n'était pas en très bon terme à la fin. Les sentiments compliquent parfois les choses. Les journaux de sécurité du bâtiment. Il y a une entrée récente, elle date d'il y a quelques mois. Je commence à m'impatienter, Nova. La récupération des données est presque terminée. J'ai préparé le système Nord pour la diffusion. Tu récupères tout ce qui est lié à l'aéronautique et aux opérations spéciales, y compris les fichiers du PEM. En effet. On a l'air d'être au bout, là. Voilà. Prête pour la transmission. Quel dommage que nous devions ressusciter ce programme quand même. Oh, Nova. Ma belle, une tâche difficile nous attend, il n'y a plus de place pour l'émotionnel. Je veux que tu réduises ton empathie de 15%, je te prie. C'est bon. Modifié. Formidable. Maintenant, envoie immédiatement les données. Je veux sortir d'ici au plus vite et j'ai l'impression d'être dans un tombeau. Tu sais ce que ça veut dire ? On dirait que le système Nord est une sorte de transmetteur. Si on le trouve, on pourra peut-être localiser Londra dans le trou où il s'est terré. D'accord. Mais pourquoi il est revenu ? Je t'expliquerai plus tard. Il faut trouver une issue. D'accord. Mais je m'en souviendrai. Donc nous, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, c'est le cas. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, c'est pas garanti que j'ai retrouvé ma connexion. Donc, si ce n'est pas le cas, on continuera malheureusement en let's play. Alors, je préférerais faire en live, mais malheureusement, je n'ai pas le choix. Allez, salut tout le monde !